Dans l'émission de Laurent Delahousse Archives Secrètes sur France 3 ce vendredi 15 septembre, Clémence Rochefort est revenue sur les coulisses patristes du mariage de ses parents, Jean Rochefort et Françoise Vidal. En 1989, Jean Rochefort a épousé Françoise Vidal dans les Yvelines. Plus de 30 ans après cette union, leur fille s'est souvenue de ce mariage pas comme les autres dans Archives Secrètes sur France 3 ce vendredi 15 septembre. Avant de se dire oui, les deux tourtereaux sont d'abord passés par le stade de l'amitié. Entre eux, tout a démarré par une passion commune. Ma mère montait à cheval et mon père aussi. Lors de leur première rencontre, je crois que ma mère avait 18 ans et mon père 38 ans. Ils ont été amis très longtemps, bien 15 ans avant que leur histoire se concrétise, a confié Clémence Rochefort. Des années plus tard, ils se sont enfin mariés. Un rendez-vous tant attendu. Et pourtant, la future mariée ne serait pas arrivée en avance, bien au contraire. Françoise Vidal était en retard pour son mariage avec Jean Rochefort. On m'a toujours raconté que ma mère était assez en retard puisqu'elle était allée marcher dans la forêt. Mon père avait attendu longtemps avec tous les invités à la mairie, révèle la fille de Jean Rochefort. Cette dernière précise que si est-il sa grand-mère qui aurait rattrapé sa mère pour lui dire, il faut y aller maintenant. Quand on s'engage, on y va. Françoise Vidal s'était enfin rendue à la mairie et avait dit oui, comme le célèbre acteur. La jeune mariée paraissait émue et intimidée. Rapidement, les larmes aux yeux ont laissé place au rire, si est-il à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que Jean Rochefort avait oublié les alliances. Jean-Paul Belmondo et Philippe Noiret comme témoin de mariage, il a emprunté les alliances d'un de ses meilleurs amis qui ne rentrait évidemment pas à leurs droits respectifs, donc c'était compliqué, explique avec le sourire Clémence Rochefort. Cette scène inattendue devant les caméras avait rendu sa mère hilar. Il faut dire que dans l'assistance, les camarades de Jean Rochefort n'étaient pas les derniers pour rire. Le comédien avait comme témoin des stars qui n'étaient pas contre quelques pitreries comme Jean-Paul Belmondo et Philippe Noiret. Un casting digne d'une affiche de film, mais c'était pourtant bien celui du mariage de l'acteur qui s'est éteint le 9 octobre 2017 à l'âge de 87 ans. Son mariage avec Françoise était toujours d'actualité. Article écrit en collaboration avec 6 médias.